Je viens de voir que j'avais pas branché le micro depuis le début. Putain, heureusement je me rends compte maintenant, c'est que le début. Oh là là, je suis pas doué. Désolé, j'essaierai de sous-titrer. Donc on recommence. Bonjour à tous. J'avais pas branché mon micro. Du coup, soit je fais une voix, soit... Donc, je vais à Angers pour déposer des papiers dans ma future école. Mais en même temps, je vais passer à Angers. Je viens de le dire. Mais du coup, Angers, il y a quoi? Il y a quoi? YouTube, Angers. Angers, YouTube. Enchanté, je vous présente. Il y a là, Fat Box, évidemment. Et du coup, on va aller voir là, Fat Box. Je suis déjà allé voir là, Fat Box. Mais du coup, on va aller revoir là, Red Box. Parce qu'on aime là, Red Box. Je vais juste montrer le plat de mon kitchen pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est désastreux. Regardez-moi ça. Alors, voilà, ça, c'est ma chaîne. C'est très dangereux. Ne faites pas ça. En fait, le problème que j'ai, ça va venir toucher ma béquille. C'est tellement détendu. Ça peut éventuellement venir toucher, donc on va faire attention. Ça m'est déjà arrivé, on l'a resserré, là elle est resserrée au max. Donc voilà. Mesdames, messieurs, dames, on y va. Et donc vous avez pu voir l'état de ma chaîne. Dégueulasse, ne faites pas ça, c'est très dangereux. Moi je suis youtubeur, du coup je fais... Enfin je suis pas invincible, hein, pas dans ce sens là, mais je suis con. Et je veux faire des vues, de l'argent. Beaucoup d'argent, car je suis déjà riche, parce que je suis youtubeur, mais toujours plus. Et donc, qui dit ça, dit, je m'en bats les couilles, j'y vais quand même. Et en plus, ça fait un titre de vidéo. Ah ah, soyez honnête. Donc c'est pour ça que je le fais, parce que j'ai pas trop le choix au final. Et ce qui est bien, c'est quand tu pars de Nantes et que tu prends pas la 4 voies, Angers, c'est tout droit. Enfin, en route de Paris, enfin, mais c'est que c'est plus... que... Oh, le camtar. Merci le camtar. Ça c'est gentil ça. Mais globalement il y a beaucoup plus de personnes gentilles dans le monde que de personnes méchantes, hein, il faut le dire. Oh putain, le chargement de ses morts. Déjà que ça prend le vent une caravane toute seule, mais alors un camtar avec une caravane, eh ben... Bon ça va être long. Du coup j'ai coupé. Et si jamais j'ai envie de redire un truc intéressant, bah ce qui est rare au final, eh bien je vous dirai des choses et je rallumerai la caméra. En attendant, je vais rouler tout droit. Ça va être très amusant. Pouce bleu si toi aussi tu es d'accord. Et répondons à ce sondage totalement inutile. Voilà. Et abonne-toi aussi également. Ça c'est évident. Alors je rallume pour une raison marrante, c'est que je vais à 80 parce que mon kitchen est mort, donc j'évite d'aller plus vite. Je respecte les limitations pour le coup. Sauf que là il y a un camion derrière moi. Et le camion il va plus vite que moi. Il respecte pas les 80. Comment je fais? Si un camion me colle, bouf quoi. Pas ouf, hein. Voilà. Bon, bon, on y arrive tranquillement. 50-60 km plus tard, je vous retrouve. Oh, j'ai mal au cul, si vous saviez. Et on va aller à Boucouzé. Dans mes souvenirs, c'est par là. J'y étais allé avec Meninbike derrière moi sur la SV650. Je vous mets le lien, tiens, en fiche. Enfin, voilà, de toute façon, vous allez revoir à peu près la même chose maintenant. Donc, si vous avez juste envie de voir la Redbox, allez pas la voir. C'est la même chose. Je sais pas si je suis bien clair. Hein, en fait, c'est pas compliqué à trouver la Redbox, vraiment. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment accessible. Là, c'est tout droit. Et là, on va à droite. Et re à droite. Et elle est là. Regardez-moi ça. Avec le parc Unicorn. C'est toujours marrant de venir et de voir ça. Oh, il y a une 4L. What? Il y a une 4L jaune, voilà, juste passé. J'ai pas envie de déranger, j'ai vu qu'il y avait des gens qui bouffaient en plus. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo il y a un certain temps, ça fait toujours du bien. Oh, il y a une Tesla. Il y a une Tesla noire là. Non, ça fait toujours du bien de voir un haut lieu entre guillemets de YouTube, pas très loin de chez soi. Je vais mettre à l'endroit où on voit un peu plus. C'est pas l'endroit le plus beau, forcément l'endroit le plus agréable. Et de l'autre côté, il est bien protégé visuellement. Ils sont bourrés de caméras surveillance. Bon, on va aller manger parce que j'ai faim et que mon école, il faut que j'aille encore un peu plus tard. Du coup, je vais à l'atoll, je vais manger, je passe à mon école et je repasse par ici. Des bisous. Pour le coup, moi qui aime pas les centres commerciaux, celui-là je le trouve très joli. Vous allez voir l'intérieur, ceux qui sont jamais venus et ceux qui sont pas du tout du coin. Foutre un peu aussi. Ce centre commercial, je l'aime bien. Je le trouve agréable. Ça serait ça le mot. Allez, on va manger. Bien, j'ai bien mangé. Enfin, bien mangé. Bouffé McDo. Et maintenant, on va aller déposer les papiers à l'école. Ensuite, on repasse à la Redbox. Et ensuite, on rentre. Ça vous plaît comme programme? J'ai réussi à me perdre alors que j'avais juste 3 virages à faire. Hein. Eh, je suis très fort. Mais c'est vraiment juste à côté. C'est ça qui est cool. Waouh, c'est beau. Non, là c'est plus beau. Non, je déconne. Hein, gange tout. Hein. Route barrée, mon cul. Oh, j'en travaux partout. Bon, c'est fait. Joie, bonheur. Retour devant la Redbox. Ça n'a aucun sens. On ne verra rien de plus, mais j'ai quand même envie d'y retourner. Merde, c'était là. Demi-tour. Yeah, la Redbox, on l'a jamais vue, c'est faux. C'est toujours sympa, vraiment. C'est
En mode, oh c'est classe. Tu sais, le petit truc, ça serait d'arriver en tournage, quoi. Parce que souvent, ils tournent devant là où il y a les grilles noires, on voit rien. Et t'arrives en plein moment comme ça et tu peux un peu regarder, un peu en exclu. Mais il y a une 4L du coup. Il y a une petite 4L. Il y a une Mustang aussi. Bon, voilà. Je veux juste repasser devant parce que ça me fait marrer. Et un jour, peut-être, j'y entrerai en tant qu'abonné qui vient faire une vidéo ou peut-être en tant que youtubeur. On ne sait pas. Si j'ai un projet, un jour, peut-être que je les contacterai. Bref, on va essayer de rentrer en un seul morceau. Ça va pas être facile. Et bah écoutez, c'est parti. Oh là là. Ça, c'est le bruit de ma chaîne qui tape contre ma béquille. Ouais, bah tranquille, hein. Vous avez entendu le bruit? En vrai, je devrais flipper encore plus et m'arrêter, mais non. Ah, ne pas pencher. Voilà, c'est la règle. C'est tellement détendu que ça doit pencher avec la moto, la chaîne. Et quand je penche à gauche, du coup, la chaîne se rapproche de la béquille, ça fait clac. Elle est vraiment foutue, hein. Donc, chaîne, oh là. Ne faites jamais ça. C'est pour ça qu'il faut que je tourne pas à gauche, en fait. Là, vous pouvez me traiter de connard dans les commentaires. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Ouais, t'es vraiment un con. Vous pouvez m'envoyer des bisous, sinon, aussi. Mais vous pouvez le dire que je suis un connard. Les vibrations de la chaîne sur les cale-pieds, c'est horrible. Sur les clac, 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 clac. Tu sens que c'est pas clair. Tu sens qu'il y a un problème. Ah, c'est très désagréable. Il est là, pas bien. Tiens, on va terminer un petit peu cette vidéo en blabla, pour le coup. Et je vais vous interroger sur des trucs, ça me fait marrer. Je vais mettre des petits sondages, voir un peu votre avis. Par exemple, là, j'avais envie de parler de ça, c'est... Est-ce que vous êtes plus moto dans le sens vous cherchez l'accélération d'une moto ou plus la vitesse de pointe? Par exemple, dans mon cas, tout con, la vitesse de pointe, enfin, rouler à 200, ça ne me procure aucun plaisir. Je veux dire, j'ai l'impression de me faire chier, quoi, quand je vais vite. Alors qu'une bonne accélération ou des bons virages ou s'amuser à faire le con, je veux dire, une MSX me procure plus de sensations qu'une moto à 200 km à l'heure. Qu'est-ce qui vous attire dans le pilotage d'une moto? N'hésitez pas à répondre en commentaire, tout simplement. Et si vous avez même des questions à me poser, tout et tout, profitez-en, tiens, pour terminer cette vidéo de façon un peu spéciale, d'un coup, comme ça, on parle, mais voilà. On va parler aussi de mes petits projets à moi. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la chaîne? J'en parle pas souvent, donc je me dis que là, c'est l'occasion. Vous avez pu voir que je suis en partenariat actuellement avec Honda Moto Nantes. Là, ce qui est en attente pour l'instant encore chez Honda, va y avoir la Fireblade, la Goldwing, je voulais tester la CBR650R aussi. Et là, ce qui est cool, c'est que pour moi, à l'heure actuelle où on est, c'est-à-dire qu'on est le 1er juillet, eh ben, je passe chez KTM. KTM aussi ont accepté de rentrer en partenariat avec moi, donc ça permet aussi de switcher, c'est-à-dire que Honda, je commence à en faire le tour. Et ben, le village moto avantage, c'est que bah, toutes les concessions sont reliées, et donc ça permet d'avoir accès plus facilement à certaines marques, dont KTM, qui est une marque que je surkiffe. Tiens, dites-moi aussi si un petit FAQ, si ça vous tente, je verrai en fonction du nombre de réponses, etc. C'est vrai que je m'étais pas trop posé la question dernièrement de s'y faire ça ou pas. On m'avait plus posé la question pour une rencontre abonnée, mais je vais pas non plus essayer de combler trop. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Bon, allez, salut.